Salut, c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 8 de Dead Space. Alors, j'ai vu que vous étiez nombreux à suivre The Amazing Spider-Man. J'en suis très content parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Bah voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui suit ce qu'on fait et qui l'apprécie. Voilà. Entrée zone sans gravité. Alors, donc normalement, on avait laissé Isaac la dernière fois juste là. Enfin, on avait été faire une sauvegarde, mais on sortait de là. On avait tout nettoyé, donc normalement, il n'y a plus de monstres. Là, ils flottent encore, là, ceux qu'on avait zigouillés. Ah, il y a des asticots qui lui sortent de la gueule, c'est dégueulasse. Oh putain, c'est crade. Bon, alors là, il faut réparer cette antenne. Hein. Donc, oui, tiens, en parlant de The Amazing Spider-Man, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais précommandé le 2. Donc, je l'ai depuis quelques heures, là, puisque je l'ai téléchargé, il était dispo sur Steam ce soir. Donc, je l'ai lancé, j'ai vu que graphiquement, c'était nettement mieux que le précédent, même si encore des efforts à faire hein, de la part d'Activision, parce que, bon... C'est pas encore non plus un jeu de 2014, hein, on va dire. Quand on voit ce que Watch Dogs va donner, si c'est aussi bon que sur les vidéos qu'on a pu voir, à ce propos, je l'ai précommandé aussi. Donc, le mois prochain, on aura du Watch Dogs à se mettre sous la main. J'attends avec impatience, et en même temps, j'ai peur d'être déçu. Watch Dogs, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un pétard mouillé, je sais pas. Alors, l'antenne, donc il faut remplacer les trois points rouges là par les antennes qui sont bonnes, donc on va faire ça. Okay. Donc oui, donc je vous ferai un let's play de The Amazing Spider-Man qui 2, donc, qui va compléter celui qui est en cours de The Amazing Spider-Man. Alors c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de let's play, donc ça me prend beaucoup de temps, l'encodage des vidéos, etc. Tout ça pour dire que bah, j'ai plus trop le temps là dernièrement de jouer à Titanfall et à BF4. Je le regrette vraiment beaucoup, mais j'ai plus beaucoup de temps pour ça. Mais pour ceux qui attendent des vidéos sur ces jeux-là, mais rassurez-vous, ça va venir. Mais bon, il faut que je puisse. Enfin, que j'ai le temps. Voilà, c'est ça. Mais dès que possible, je vais faire. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc nous, on retourne à nos petites antennes. Donc là j'ai merdé, je me suis emmêlé dans les touches. Alors, toi tu sors de là. Voilà. L'autre elle est où déjà? Ah ouais là. Voilà. Allez! Voilà, c'est bien. On va te mettre là. Tranquille. Donc, bah on est bon, il n'en manque plus qu'une. Alors, elle est où? Ça, c'est celle qui est cassée. Donc, on va l'enlever. Voilà. Et la toute neuve, elle est où? Voilà, elle est là. Viens là, toi. On va t'envoyer là-bas. Allez. Et je te rejoins, voilà. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de monde que ça qui regarde Dead Space. En même temps, je comprends, c'est un vieux jeu, mais qu'est-ce qu'il était bon quand même. Allez, voilà. Et en réponse à un abonné qui m'avait posé une question. J'ai complètement oublié son nom, il me pardonnera. De toute façon, je vais lui répondre aussi sur YouTube, hein, mais là, je suis en train de repenser à lui. Il me disait que, parce que dans l'épisode précédent, je disais que vous avez probablement pas connu Cosmos 1999, et il m'a répondu, si, si, j'ai connu tout ça avec le mec qui jouait dans le cœur. Alors. Il a confondu, c'est pas très grave, mais je suis sûr qu'il connaît Cosmos 1999. Mais en fait, il a confondu le gars qui jouait dans Hooker, c'était William Shatner. Et William Shatner, c'est le capitaine James T. Kirk, donc qui joue dans Star Trek. Et en fait, le mec qui jouait dans Cosmos 1999, c'était Martin Landau,
un des acolytes de Jim Phelps dans Mission Impossible. Alors, nous transmettons sur toutes les fréquences de l'USG Ishimura en réponse à votre SOS. Nous avons recueilli une de vos capsules de sauvetage et sommes en route vers votre position. Ce message se répétera toutes les 30 secondes jusqu'à votre réponse. Là, autre chose, maintenant il y a une créature qui est collée au vaisseau et on est mal barré. Donc on va faire une petite sauvegarde vite fait, voilà, comme d'hab. Ouais, c'était vraiment énorme Cosmos 1999, enfin la première saison, parce que la deuxième saison c'est devenu vraiment de la merde, parce qu'à l'époque elle n'a pas marché autant qu'ils auraient voulu, enfin, en comparaison avec Star Trek qui cartonne aux États-Unis. Et du coup ils ont voulu faire un peu comme dans Star Trek avec beaucoup de créatures, etc. Alors que c'était pas du tout l'esprit de la série à l'origine. Et donc du coup la série a perdu quasiment son merde. Ah bah c'est bon, on récupère des munitions. Donc du coup là ouais la série a perdu un peu de ses fans de base quoi, qui se sont recentrés sur la première saison et puis qui ont arrêté de suivre. Donc du coup la série a été arrêtée. Ah oh là, merde, putain, parce que j'ai plus de balles, putain, merde. Encore je me disais merde, l'ascenseur qui vient et j'ai pas appelé. Alors attends, toi prends ça dans ta gueule. Voilà, allez, clac, clac, voilà, arrêtez. C'est bon. Enfin bref, voilà, assez parlé de Cosmos 1999, on est sur Dead Space. Alors, donc, une bestiole accrochée à l'Ishimura, c'est pas bon signe. Apparemment, elle a parlé d'un gros canon. On va encore faire comme avec les astéroïdes, là. Ça va être sympathique. Allez. Voilà, on va faire une petite sauvegarde. Moi, chaque fois que je me prends de sauvegarde, hein, hop, je sauvegarde. Ça, c'est fait. Un plan de travail. Ah oui, on a récupéré des... On a récupéré des points de force. Alors, là, on en a un à dépenser, mais on va essayer de faire ça judicieusement, comme d'habitude. Là, il n'y a rien à faire, puisque pour l'instant, ça serait du gaspillage. Le rechargement sert à rien. Et puis, les deux autres... c'est juste pour faire avancer. On verra quand on aura plus de points de force. Je pense qu'on va commencer à en récupérer plus que jusqu'à maintenant. Le trancheur, ouais, on peut peut-être faire quelque chose sur le trancheur. Parce qu'on l'utilise de plus en plus et il est toujours avec l'équipement de base. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Capacité. Parce qu'il est limité quand même. Hein. Ouais, allez, voilà. Ça c'est fait. Et puis on continuera à le travailler un peu, lui. Parce que ça va aller en se compliquant. On va reprendre un peu de vie parce que j'étais pas très en forme. Allez, on y go. Direction l'ascenseur. Et voilà. Là, je parlais de Watchdog tout à l'heure. Dites-moi si vous si vous êtes emballé par ce jeu ou pas. Que vous soyez sur console ou sur PC, hein, peu importe. Hein. Enfin, moi j'ai des potes qui avaient précommandé rien que pour Watch Dogs.
une console, je vais trouver ça pour un jeu un peu excessif, mais bon. Après, bon, ils vont pas acheter que celui-là, bien sûr, hein, mais. Alors. Hop, 800. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours pris. Ok. Sauvegarde, et là, oh, un point de force, ça c'est bon ça. Vous voyez, je sentais qu'on allait récupérer alors, des points de force. Alors, ok. A priori, il n'y a pas de danger, mais prudence et mère de sûreté, comme on dit. Allez. S'installer confortablement. Oh là, ah oui, ah oui, oui, il y a une bestiole accrochée sur le vaisseau, d'accord. Ah ouais, d'accord. Bon bah comme d'hab quoi, faut lui péter ses, faut péter ses tentacules. Ah tiens, nous balance des, il nous balance des conteneurs de je sais pas quoi qui pète là. On va faire gaffe. Ouais, ça reprend le principe des astéroïdes, quoi, c'est la même chose. Putain, elle a l'air costaud hein, la mer, hein, parce que là, je suis en fou plein dans la gueule et je suis même pas encore pété un tentacule. N'importe quoi. Allez, hop, top. Merde, putain, oh là, ça fait des dégâts, ça, c'est pas bon. Je le sens pas. Honnêtement, je le sens pas. Ça baisse vite là, on est déjà 72 et elle a pas l'air de prendre beaucoup de dégâts. Ah si, ça y est quand même. Alors allez, putain. Alors ça va, nous on reste à 72 pour l'instant, on assure, on se débrouille bien. Allez, toi clac. Tu veux pas claquer, allez, putain, merde. Ah là là, on a pris, on a mangé là encore là. Oh, j'ai trop, j'étais trop content, on était bien. Alors je sais pas à quel moment ça pète, si c'est oh putain, 46. Ah ouais, non, oui, j'ai remarqué l'intégrité. Alors attends, hop, il en reste plus que deux. Allez, voilà, c'est bon. Plus qu'une. Allez. Putain, montre-moi. Voilà, c'est bien. Bouge pas. Voilà. T'es une bonne fille. C'est un bon garçon, ça dépend. Alors ça, c'est fait. C'est trop tard. Oula, il y a un truc qui arrive là. Mais il nous fonce dessus, ce con. Dégage. Ah oh bah non, attends, t'es venu nous secourir, pas nous éprôner. Ah bah d'accord. Ok, bah on peut rien y faire, hein, a priori. Voilà, ah là ça va faire mal, ça va faire mal, ouais, ça fait mal. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Oh, tout est allé de travers. Isaac, vous êtes là? Dieu merci, vous êtes là. J'ai essayé de vous joindre, mais quelqu'un bloquait mon signal à distance. Cet accident a sûrement brouillé les signaux. Amand, vous étiez où? En enfer, ou pas loin. J'ai réussi à trouver de quoi me soigner et survivre. Écoutez, on laisse tomber cette sale mission. Que cette foutue compagnie aille se faire voir avec tout ça. Il faut qu'on sorte de ce pétrin.
Je crois qu'il y a une navette sur le pont d'équipage. D'après les registres, il lui faut un nouveau réacteur, mais on devrait pouvoir récupérer celui du Valor. Je peux voir l'arrière de l'appareil dépasser d'un côté de l'Ishimura. Je vais tenter de me rapprocher pour trouver une entrée. Je vous retrouve là-bas. Terminé. Isaac, s'il y a bien une navette sur le pont d'équipage, on peut avoir une chance de s'en sortir vivant. Va vers la zone de chargement et regarde si tu peux l'aider. Dans son état, il tiendra pas longtemps. Pas de problème. On est l'homme de la situation. Pardon. Une petite sauvegarde et c'est parti. Ah lui, Amon, il doute de rien. C'est le mec, il était encore à fond sur la mission de départ. Alors qu'on avait à peine posé le pied sur le vaisseau, que la mission elle était déjà morte avant de commencer. Enfin bon, c'est pas grave. J'en reviens pas que le mec, il n'ait pas pensé à se tirer tout de suite, quoi. Il n'y a que nous, depuis le début, on essaie de se barrer du vaisseau, mais lui, il était encore à fond dedans, c'est... Sacré Amon, quel déconneur. Bon, allez. Donc là, on avait récupéré un point de force, et normalement, il doit y avoir un plan de travail juste à côté. On l'avait vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, on va continuer à améliorer le trancheur. Voilà, on va améliorer les mines. Les mines, c'est le tir secondaire, vous savez, quand on... La petite boule là que je lance de temps en temps, là, qui tarde un peu à péter, que je me plains tout le temps. Mais c'est vrai qu'elle tarde un peu à péter, mais quand elle pète, c'est assez sympathique à utiliser quand il y a plein de petites merdes à la con, ou même que on a blessé les monstres et que il en faut encore un petit coup pour les finir. Et à mon avis, je pense que ça va être de plus en plus utile. Allez, on va aller voir où on est à Monde. Oh oh oh, il y a encore putain de ces saloperies là. Je les aime pas celles-là. Ah oh, putain. Allez, hop. Est-ce que ça a marché? Non, ah putain, l'autre elle est passée. Elle crève pas, putain. Ah, c'est de la vermine ce truc là, putain. Allez, c'est bon hein, t'as ton compte. Voilà, ça c'est pour la route. Alors. Oh, mais pilote, il. C'est pour avoir. Hein. Ah, c'est teigneux ce truc là. Hein. C'est comme la vermine, le chien dent et tout quoi. Allez. On va prendre l'ascenseur, tranquillos. Et plus rien. Allez go. Dans l'épisode de pas tarder à être fini, je pense quand même. Alors, il va falloir que je me re-soigne un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Ah non non non, ça c'est de la vermine. Allez, c'est au bout de ses bras là qui sont les espèces de bestioles à la con. Là. Allez, allez, allez. Ah oh, putain, il ne veut pas claquer cet enculé. Hein. Allez, voilà, hop, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est là. C'est là qu'elles sont ces vermines. Allez, un peu de stase, ça fait du bien. Approchez-vous, je vous attends. Allez, allez, allez. Viens toi, viens, on veut aussi toi. Allez. Voilà, c'est bien, pas bouger. Elles étaient pas nerveuses celles-là. Par rapport à d'habitude. Alors, on va économiser la vie quand même. On avait tout récupéré. Vraiment, je crois que c'est direction la sortie, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Alors, donc là, ouais, recharge moyenne, bien sûr, je te donne, pas de soucis.
On va en prendre un peu. Voilà, beaucoup. Passionnément, à la folie, et pas du tout, c'est bon. Bah, en fait, je crois qu'on est exactement au même montant de crédit que quand on a commencé l'épisode dans la vidéo précédente. Oh putain, non, je veux pas de ça. Toi, tu dégages. Allez, merde, montre-moi tes pattes. Donc, voilà, c'est bien, encore. Voilà. On va te finir. Allez, voilà. On va essayer de pas. Voilà, c'est bon. Parce que si on. Celui-là, là, si on l'a. On lui fait du mal au bide, là. Il y a toutes les petites bestioles à la con, là, qui se jettent sur nous, là. Alors. On a récupéré un peu de thunes. On va reprendre. Qu'est-ce qu'on va reprendre? Ouais, allez, un peu de bi. Dans le trancheur, pardon, qu'est-ce que je raconte? Et hop, c'est bon, on recharge tout ça. Ça aussi. Ouais, on en a que deux de toute façon, donc c'est très utile ça. Bon, allez. On y go. Voilà. Donc on arrive normalement au métro. Voilà, c'est ça. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, bah, pensez-y. Et puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Facebook. Allez, bonsoir, à demain.